Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, comme nous vous avons promis, nous sommes là en direct, dans le bureau de l'Orion, la Grande Lumière, pour vous parler sur le baptême d'Adam. C'était une promesse. Nous venons de commencer en retard parce que la connexion nous a fait défaut. Vraiment, soyez connectés et partagez la vidéo. Comme dit souvent mon fils, mon petit propre, le docteur Van, que je salue de loin. Le docteur Van, moi, et le docteur Alain, ou à Pessimo de la Moussika. Partagez la vidéo. Bon Kabola vidéo. Et si vous êtes prêts, et ceux qui vous aillent, on peut directement commencer sur le baptême d'Adam. Ok, sans plus tarder, la humilité, nous prenons les Écritures. Par la grâce de Dieu, nous allons faire parler les Écritures. Parce que les Écritures, ce sont des miouets. Les Écritures sont muettes. Et nous allons faire parler les Écritures concernant ce thème si important, merveilleux, qui est le baptême d'Adam. Nous allons comprendre que Adam a été baptisé. Adam, le premier homme que Dieu a créé, il a été baptisé. Que Dieu vous bénisse. Ok, prenons les Écritures. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 2. On prend le verset 5 jusqu'au 7e verset. Ok, l'homme de Dieu a ses périls. Disons donc Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ok. Remarquons cette écriture. Tout à la licomio. On nous parle de la manière dont Adam a été formé par Dieu. Adam a salamaki na nzambe. Ndengenini nzambe a kelaki Adam. Comment Dieu avait créé Adam? Natango tozui écriture wana. Quand nous prenons cette écriture là, tozo comprendre que nzambe a formé Adam par la poussière de la terre. Comprenons que Dieu forma Adam par la poussière de la terre. Et nous allons surtout insister sur aussi le verset 8. Tu n'as pas lu le verset 8, je pense. Non, pas encore. Tu prends encore le verset 8. Nous prenons le verset 8. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et okay. Il mit l'homme qu'il avait formé. Pour dire tout simplement, Dieu a commencé par former d'abord Adam. Et ensuite, il plantera le jardin dans l'espace, la contrée qu'on appelle l'Éden. C'est-à-dire, Nzambe a bandi nanu au former Adam. C'est-à-dire, Dieu a commencé d'abord à former Adam. Et après Nasima, Nzambe wana a loni elanga, le jardin, na eteni yamabele oyo bazobenga Eden. Et après cela, l'Éternel planta les jardins dans la partie qu'on appela Éden. Selon cette écriture, il y a une nette différence entre
l'Éden et le jardin. Na kolenza mali konyo yobo kesenya solo ezali na Eden na elanga. Il y avait d'abord l'Éden. Zalaki na na Eden. Mais Dieu plantera le jardin dans cette partie contrée appelée le Dél. Kasi nzambe akolona ndelanga na Eden wana na esika wana obabengi Eden. Et Aloni Elanga na parti nyonso ya Eden te. Amen. Et il ne planta pas les jardins dans toute la partie de l'Éden. Aloni kaka Elanga dans la partie orientale de l'Éden. Il ne planta les jardins que dans la partie orientale de l'Éden. Là, ça c'est merveilleux. Wanisa kito komingi. Pas dans toute la contrée appelée l'Éden, mais dans une petite partie, la partie orientale, c'est là où l'Éternel Dieu a planté le jardin. Azuite elangatiango na esika nyonso mokimbo to dengeden kasi na yemwa eteni nisike bime ya moyi ndi akekoloni la ngumba. Pe nzambe akozwa Adam oya formaki na mabele amemiye akotisiye ti na jardin. Et Dieu prendra Adam qu'il avait formé de la terre. Il les prendra et l'introduira jusque dans le jardin. Et vous allez comprendre que Adam n'avait pas été formé par la terre de l'Éden ou la terre du jardin. C'est-à-dire, Nzambe akelaki Adamote na mabele ya Eden. Ton amabele ya jardin. D'ailleurs, jardin vous t'avez évoqué la main après. Ah, c'est-à-dire Dieu n'avait pas créé Adam avec la terre de l'Éden, la terre du jardin. D'ailleurs, les jardins étaient faits après. Nzambe akelaki Adam namabele ya libanda. Dieu a créé Adam avec la terre du dehors. Ya libanda ya Eden. C'est-à-dire la terre du dehors, dans le dehors de l'Éden. Bon, il y a une écriture qui confirme ça. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous prenons le verset 23 au 24e verset. Talatala ya tukumi sato, tukumbali na misato na tukumbali na mine. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui achetait une queue flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, remarquons. Tout à l'heure. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il ouvre votre intelligence pour comprendre ces choses. Nzambe natango azo bengana moto Adam na mwasi na ye. Quand il chassa Adam et sa femme Eve, abengani bango libanda ya jardin. Il les chassa en dehors de l'Éden. Nzambe azo précise azo loba. Dieu précise en disant: Bozonga na mabele esika wapi bino bouta. Rentrez dans la terre d'où vous étiez tiré. Ah, par là nous comprenons. Na wana to so soli. Adam autaki na mabele ya libanda ya Eden, ya libanda pe ya jardin. Adam venait de la terre, dans dehors de l'Eden, dans dehors du jardin. Parce que soki Adam akelamaka na mabele ya Eden, parce que si Adam était créé de la terre de l'Éden, Adam pouvait réclamer. Adam a compris qu'au ciel n'a besoin de. Que yo lobi que nzonga na mabele sika wapi na uta. Nga na uta na mabele ya Eden na kotika la kaka na Eden. Que toi tu as dit que je rentre dans la terre d'où j'ai été tiré, mais je viens de la terre de l'Éden, je ne resterai qu'en Eden. Vous voyez? Zomona. Et il y a qui cause la débat entre Adam na Nzambe. Le ko la Nzambe pas à la ka faible na écriture, il pouvait donner raison à Adam. Vous voyez que ça devait être un grand débat entre Dieu et Adam, et comme Dieu est tellement faible avec l'écriture, il donnerait sûrement raison à Adam. Et là, Adam pouvait rester en Éden. Mais le fait que Adam est sorti de l'Éden, il est allé en dehors de l'Éden, cela prouve à suffisance que Adam a été créé
était à moitié, la moitié. Par la terre du dehors de l'éternel. Na mabele ya libanda été nyende. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tant que le Christ soit pas pour rabino. S'il y a des questions là-bas, s'il y a des gens qui posent des questions, nous sommes là. On va le répondre directement, nous allons répondre à toutes ces questions-là. Ok, nous ne sommes pas pressés. Ceux qui les l'ont sollicité, nous vous aurons rendez-vous même Mukuru Mususu. Si aujourd'hui on ne termine pas, on aura un rendez-vous même un autre jour. Ok, parce que la compréhension, c'est la première bénédiction, c'est la compréhension de l'Écriture. Amen. L'ipamboli, bandagana, nous n'avons comprendre même l'Écriture, puis nous n'avons comprendre l'idée. La bénédiction commence par la compréhension de l'Écriture et de l'enseignement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pressés. Tozawana pour que mutunioso a comprendre. Nous sommes là pour que tout le monde puisse comprendre. Te répéter. Nous répétons. Nous disons ceci. Nous Adam a kelami namabele ya edenete. Adam n'est pas créé de la terre de l'Éden. Selon quelle écriture? Selon Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. Parce que Nzambe natango azo benganaye. Parce que quand Dieu le chasse. Ayebisi Adam zonga na mabele esika wapi yo outa. Il dit Adam rentre dans la terre d'où tu as été tiré. Et nous avons vu Adam azkei abimi na libanda ya Eden. Et nous avions vu Adam sortir d'en dehors de l'Eden. Et cela prouve à suffisance. La raison d'Inisa na makasi. Que Adam akelamaka na mabele ya libanda. Ya Eden. Et Adam a été créé de la terre dans dehors de l'Éden. Parce que ce qu'a la maca n'a ma belle ya Eden. Parce que s'il était créé de la terre. Aliaka lobake na kobi malibanda te. Il pouvait dire je ne sortirai pas dehors. Parce que na wuta na ma belle ya Eden. Parce que je viens de cette terre de l'Éden. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans que ce soit pas moi. Mais remarquons. Parce que total. Nous allons comprendre que Adam. Dans le jardin, il y avait plusieurs portes, mais Adam était sorti par la porte orientale. Donc, ce serait que Adam, mais la maison n'a pas écouté, parce que maintenant, il a écouté, il y a Ebimeli Moï. Adam, herbe abimisa qui est dans le jardin, abimaki la porte orientale. Quand Adam était sorti du jardin, on lui fit sortir par la porte orientale. Ok, on va y arriver. Donc, comment, Wana? Mais avant, Toko Manan, Wana? Avant d'y arriver. Il faut nous totaliser la carte de l'Éden. Il faudra d'abord que nous démontrions la carte de l'Éden. Totalisana nous selon les écritures, Éden Ezalaki Wapi, et le jardin Ezalaki Wapi, Adam, Natangu, Nzamba Kelakie, Akelakie, Namabele ya Isika Nini. Ok. Et Nzambe Akotisakie na porte Nini. Voilà, nous devons d'abord montrer où s'est situé l'Éden, où s'est situé les jardins qui étaient en Éden. Adam, quand il était créé de quelle terre et Dieu l'avait introduit dans le jardin par quelle porte? Parce que Nzambe nde muto azo zwa Adam azo kotisaye na jardin. Parce que c'est Dieu qui prend Adam et l'introduit dans les jardins. Et Nzambe natango azo kotisa Adam na jardin, Adam autaka wapi. Na eteni nini ya mabele parce que la terre mobile za munene. Il faut que nous puissions préciser c'était quelle portion de la terre. Est-ce que c'était la terre de la RDC? Vraiment. Parce que tomoni ba église de Noir et Bimi. Vraiment. Bango bazolo bape, bango pe za RDC. Vraiment. Est-ce que za mabele à côté ya Amérique? Vraiment. Est-ce que za mabele à côté ya France? Vraiment. Est-ce que Ezam Abele à côté il y a Japon? Vraiment. Quel est été Nywana Yamabele au Nzambazwa qui Adam peut à côté sillier? Nous devons préciser quelle est la terre avec laquelle Dieu avait pris Adam pour l'introduire. Serait-ce la terre de la RDC? Il y a des gens maintenant qui parlent des églises des voix. Serait-ce une terre des Amériques? Une terre de où précisément selon les écrits? Voilà pourquoi nous sommes d'abord obligés de tracer la carte. De l'Éden et après de tracer aussi ou de préciser aussi la portion du jardin. Amen. Dans l'Éden. Yango talatina to timbi kami to lobela solo
Avant que nous puissions voler, prendre les révélations, il faut d'abord placer les choses. Prenons le livre de Genèse, chapitre 2. Le livre de Genèse, chapitre 2. Nous commençons par le verset 10. Jusqu'au 17e verset. S'il y a des questions, tu nous fais signe là. Et nous allons répondre. Je pense que le volume là, c'est ça va. Ça. Le volume, ça marche là. Que Dieu soit loué. Ok, que Dieu soit loué. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons sur le baptême d'Adam. Mais demain ou à la prochaine, nous parlerons sur le vrai nom de Moïse donné par ses parents. Tous les conseils de Dieu ont été mis par écrit. Souvent, nous disons, et si nous avons l'évangile qui explique les choses très difficiles. Il peut même vous parler sur l'origine de Dieu, sur la création des anges, les jours de l'éternité, le premier corps de Dieu à l'éternité, le nom du premier ange, le baptême d'Adam, le baptême d'Abraham. Cet évangile doit être aussi en mesure de donner solution aux problèmes compliqués. Ce n'est pas les discours politiques, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, prenons les Écritures. Nous allons tracer la carte de l'Éden et situer aussi les jardins, la portion du jardin. Ok, Amen. Genèse chapitre 2, nous commençons par le verset 9 jusqu'au verset 17. L'homme de Dieu a sait lire rapidement. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Directement le verset 10. Le verset 10, rapidement. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en quatre bras. Non, il faut bien lire lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, nous réprimons la lecture. Verset 10. Le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Fleuve mokwezo utana Eden pour être là pour arroser jardin. Un fleuve réellement sortait d'Eden pour arroser le jardin. Ici on fait la différence entre l'Eden et le jardin. Vous voyez, le fleuve sortait de l'Eden et vient arroser le jardin. Et l'Eden fait le jardin a été planté dans une petite partie de l'Eden. Et continuez la lecture. Ok. Tu peux mettre ce téléphone-là en mode avion. Ok. Non. Tu mets le téléphone en mode avion. Nous sommes concentrés. Voilà. Pour le message. Voilà. Ok. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en quatre bras. Ok, c'est-à-dire ce fleuve s'est divisé en quatre bras. Suivez-nous attentivement. Continuez la lecture. Continuons la lecture. Le nom du premier est Pichon. Ok. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. On peut commencer par là. Voilà, c'est là où nous allons tracer la carte de l'Éden. Nous allons commencer par là.
Le nom du premier fleuve, c'est? Le nom du premier fleuve, c'est Pichon. C'est Pichon. Ok. Ce fleuve arrose quel pays? Le pays d'Avila. Le pays d'Avila. Ok. Vous voyez? Ok. Pour dire tout simplement, okay. Le pays d'Avila Mokayavila fait partie de l'Éden. Ah, et Zali, il y a Éden. C'est-à-dire, le pays d'Avila fait partie de l'Éden. Mokayavila, pays d'Avila, c'est un Éden. Ok, selon les Écritures, prenons le pays d'Avila. Mais pour votre information, la carte de la terre que nous avons actuellement, ce n'est pas la même carte qui existait au temps d'Adam. Au temps d'Adam, ma belle Natango et Bimaki na maï, ma belle Zalaki bloc, ma belle Zalaki divisé. Ok, au temps d'Adam, quand la terre était sortie du sol, la terre était tout un bloc et n'était pas divisée. Zamba Bengaki Yangoka le sec. Dieu l'a appelé juste le sec. Bon, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la carte de la terre. Mais c'est important pour bien comprendre aussi, mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Ok, cette carte de la terre a subi la modification au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, la présence des pluies et les eaux qui sont sorties de sous la terre ont modifié la carte de la terre, il y avait aussi la naissance d'autres fleuves. Quand on arrive au temps de Peleg, là vous prenez le livre de... On ne va pas lire, okay, parce que nous ne sommes pas là. On court derrière les temps. Quand on arrive au temps des Peleg, là vous prenez Genèse chapitre 10, le verset 25. On dit Genèse 10, 25. Et vous allez remarquer que Dieu avait partagé la terre. Là, le partage de la terre, ce n'est pas que Batubanamuki na bangona kimia nyonso bazo kabola mabele. Non, les écritures ne s'interprètent pas comme ça. Là, le partage de la terre, ce n'était pas que les gens se réveillent pendant toute ce qu'ils disent, partage la terre. Les écritures nyonso zalagana nekonaye. Toute écriture a son frère. Soki omoni écriture, il faut qu'on nous kandekonaye. Quand tu vois l'écriture, il faut chercher son frère. C'est ça. Alors, le partage ici, c'est. Ce psaume qui nous facilite ce langage-là. Psaume chapitre 60, le verset 4 à 5. Selon cette écriture, Dieu avait ébranlé la terre. Tu as ébranlé la terre. C'est le passé, hein? Tu as ébranlé. C'est le passé composé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'événement se situe dans le passé. Tu as ébranlé la terre. C'est dans le passé. Il faut chercher dans le passé. Vous voyez? Maintenant, il faut chercher dans le passé. Où est-ce que le Seigneur a ébranlé la terre? Et ce qui est kawana te, il a déchiré. Ça ne s'est pas limité là-bas, on dit qu'il a déchiré. C'est-à-dire, Nathan Mounzambe a ningisa ki mabele, a déchiré mabele. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu a ébranlé la terre, il l'a aussi déchiré. Et dans le passé, c'est au temps des Peleg que Dieu a ébranlé la terre. Nathan y a Peleg a Ningisaki Mabele, il y avait un grand tremblement de terre. Il tombe Peleg, Dieu avait ébranlé la terre. Et Mabele et Zalaki déchirait, partagé, Kuna s'est déchiré. La terre était déchirée, là c'est partagé. C'est-à-dire partagé, c'est le synonyme, hein? C'est le synonyme aussi de déchirer. Alors, Nzambe a déchiré qui m'a belé, de naissance il y a un continent. Aujourd'hui nous avons l'Afrique. D'ailleurs, du temps des chambres, l'Afrique ne s'appelait pas Afrique. C'est ça, quand Dieu a déchiré la terre, il y a eu naissance des continents. Aujourd'hui, on a l'Afrique, mais pour votre formation, du temps des chambres, cette Afrique ne s'appelait pas Afrique. Et il y a l'Amérique. Ils appellent l'Amérique. Il y a quoi? Il y a l'Océanie. Dans l'Océanie. Il y a l'Europe, etc. Dans l'Europe, pays. Vous voyez, la naissance des continents, c'est au temps des Peleg. C'est-à-dire, il y avait modification de la carte de la terre. La carte de la
la terre que nous avons aujourd'hui, hérité à mon temps, il y a Pélègue. Nous l'avions hérité du temps de Pélègue. Parce qu'en ce temps-là, il y avait la déchirure de la terre. Et la naissance des continents. Pour plus de précision, ce qu'on a pressé au Landa Matéa Oyo, on peut cliquer sur YouTube, hein, Alain Kondé ou Alain Zouzi Kondé. Na YouTube, tu verras aussi ça. Okoki kolanda yango lentement sur la carte de la Terre. Ok, nous disons que pour plus de précision, tu peux cliquer Alain Kondé ou Alain Zouzi Kondé sur YouTube. Tu verras cette prédication sur la carte de la Terre et tu suivras attentivement. Maintenant, retournons na baptême Yadan. Tomekana nous ko tracer la carte de l'Éden. J'avais besoin même de la carte, ya munene ya monde, ya terre. Nazalaki na besoin penza mais à Kinshasa il a beaucoup plu. Molebeti makasi. D'ailleurs on a usé violence. Vraiment. Avec le couvre-feu on a usé violence pour vous passer ces directs. Ok. Donc nous disons que nous avions besoin même de la carte. Le docteur avait besoin de la carte derrière ici. Mais comme il a abondamment plu à Kinshasa, on a usé des violences par rapport aussi au couvre-feu pour faire. Mais ici, j'ai la petite carte de la terre ici. Hein. Kassia, on a Azali la carte Mokei, Kamabele. Ok. Donc, Mona, Adam, Aoutaki, n'a été nini ni Amabele. Nous verrons d'où venait Adam, de quelle portion de la terre. Et Nzamba Kotisaki est la porte nini dans le jardin. Et Dieu l'a introduit par quelle porte? Non, les saintes écritures sont merveilleuses. Et ma première sainte, là, qui te connaît. Le livre de la vérité que vous appelez la Bible. Pourquoi y'a vos solos, ma Bible? C'est merveilleux. Si vous avez la maîtrise de ces livres, c'est question seulement d'avoir la maîtrise et de comprendre les écritures. Oh, ça c'est merveilleux. Nzamba Kotisaki Adam à porte nini. Dieu avait introduit Adam par quel terre? Akela qui est dans ma belle nini. Il avait créé par quel terre? Où était Kotisaki dans le jardin? Pour qu'il l'introduisse dans le jardin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquons le pays de Havila. Havila, le premier bras du fleuve qu'on appelle Pichon, arrosait le pays de Havila. Ah, et Tenia Yambo, Yaelango, il va venir Pichon et Badal Kindeko, Sopanana, Mboka Havila. Qui est Havila? Havila, Zanani. Prenons les écritures. Dans une macon. Parce que nous avons dit, nous devons faire parler les écritures. Photo lobisa makomi. Ils vont faire parler les écritures. Voilà, makomi va lobisa kayango. Regarde les écritures, on les fait parler. Il y a des écritures hommes. Les écritures femmes, les écritures enfants, mais il faut les faire parler. Et le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 10. Nous prenons le verset. On commence par le verset 2 et on descend même au cinquième verset. Tovi talata yani bale kino na talata yani tano. Ok. Ok. Tu peux lire. Même verset 7. On va directement, on va tout droit au but. Le verset 6 à 7. Ok. Le verset 6 à 7, nous disons dans Jésus. Amen. Les fils de Cham furent Gush, Mitzraïm, Put et Canaan. Ok, le fils de Cham furent Cush. Bana Cham, Badalaki Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Cush, il a ramené Éthiopie. Parce que Cush, en hébreu, en français, Éthiopie, qui veut dire noir ou brillé par le soleil. Ah, Cush, autre vie en hébreu, et là, ici, lui, son en français, Éthiopie. Mitzraïm, Mitzra, c'est l'Égypte. Mitzraïm, Tolbi, Mitzra, c'est l'Égypte. Et Put, le Soudan. Put, c'est le Soudan. Et après, nous prenons encore Cana. Et tout ceci, Manango, Cana. Wananion, Sobazambana, il y a Cham. Tous ceci sont les enfants de Cham. Ok, prends le verset 7. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raima et Sabteka. Ok, c'est-à-dire Havila,
si le fils de Cush. Havila azaline mwana mobali ya Cush. Havila azalaki mwana ya Cush. Havila était le fils de Cush. Remarquons, je vais vous flasher quelque chose. Aujourd'hui, vous avez baptisé notre cher continent, l'Afrique, du nom d'Afrique. Mais cherchez dans les Écritures, vous n'allez pas voir le nom Afrique. Dans les Écritures, cette portion de la terre appelée Afrique, c'est Cham Oyo Azwaki possession na yango. C'est Cham qui en prit possession. On appelait ça le pays de Cham. Ce n'est pas Afrique comme vous l'appelez aujourd'hui. Et cette portion-là de terre, ce n'est pas comme le blanc nous ont précisé. L'Afrique, bango ba trasango na ndenge na bango moko. Dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Ok. Disons que cette portion de terre, dans les Écritures, ce n'est pas comme les blancs l'ont tracé. Parce que le fils de Cham, Babanda qui occupait les sous-sous, le pays de Canaan. Parce que le fils de Cham occupait aussi les pays de Canaan. Babanda qui occupait les sous-sous, Avila, tout le monde Avila, ce que les amis, c'est la portion de la terre. Ils occupaient aussi Avila, c'est ce que nous verrons dans les Écritures, c'est quelle portion. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut parler de l'Afrique en rapport avec les Écritures, le pays de Cham, il faut qu'on batte même une portion d'Israël. Il faudra même monter dans la portion d'Israël. Même Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite. Tout ça, ça faisait partie de l'Afrique, le pays de Cham. Là, c'est selon les Écritures. Hein. Mais revenons d'abord en rapport avec la carte de l'Éden. La carte de l'Éden, Havila. Carte d'Éden, nous voyons d'abord Havila. Havila, premièrement, c'était le fils de Cham qui occupait cette portion, précisément. Cush, le fils de Cush. Ok. Parce que Cush, il est de la lignée de Cham. Je vois que Cush a dit d'abord qu'il était à Cham et na Cush wanande Avila et Adivati. Mais après, cette portion de la terre sera occupée par qui? Tozui Écriture, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, le verset. Vous pouvez aller le mot à partout, il m'a dit à Mitano. Ok. Le verset 16 à 17. Nous lisons. Nous prenons le verset 17 à 18. 17 à 18, nous lisons en Jésus. Amen. Et voici les années de la vie d'Ismaël. Ok. 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ok. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. En allant vers les fils de qui ont habité à Havila? Le fils d'Ismaël. C'est-à-dire, là nous voulons seulement préciser la carte géographique de l'Éden. Voilà, de toute façon, c'est la carte d'Éden qui est en face. Omoni nasima yabasham yabakush yaba Avila, parce que Avila était un homme. Il était le fils de Cush. Ok. Mais après ba génération na tangu eleki mutayaki kovanda na teni wana ya mabele, c'était Ismaël. Ok. Nous disons que après Cham, après Avila, qui est d'ailleurs le fils de Cush, parce que Cush, nous précisons, c'est un homme, la personne qui habita cette contrée ou ces terrains-là d'Avila, c'était Ismaël. Ok, or quand on voit Ismaël, on voit directement les Arabes. La portion de Havila, aujourd'hui, ce qui est au limite de Belayango, c'est cette portion qu'on appelle l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe. Aujourd'hui, si on veut parler d'Avila, c'est la portion d'Arabie Saoudite ou l'Émirat Arabe. Omoni, cette portion d'Arabie Saoudite, Émirat Arabe, c'est cette portion-là, Ismaël Ayakiko occupé. C'est en face de l'Égypte. Ok. Ah.
Alors, c'est cette portion-là, aujourd'hui, Oyo, Nakala et Zaraki, Avila. Nous disons que la portion qui était dans le temps Avila, aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite ou l'Émirat arabe, là où Ismaël avait occupé sa face. Nous sommes en train d'actualiser ça pour la bonne compréhension. Sur la portion de l'Éden, c'est comme ça que l'actuelle Arabie Saoudite, okay. L'Émirat arabe, okay. C'était aussi une portion de Katina Éden. Amen. Nous voulons juste dire que si nous voulons parler de la portion de l'Éden, l'actuelle Arabie Saoudite ou l'Émirat arabe était aussi une portion dans l'Éden. Continue même la lecture, continue la lecture de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On continue la lecture pour tracer la carte de l'Éden. Le deuxième bras. Mm-hmm. Le verset 12e du chapitre 2. Ok. Dans le verset 13e d'ailleurs. Ok. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. Oh. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans que le Seigneur soit pas en bon. Ça, c'est aussi l'Éden. Voilà, c'est ça, Éden. Une portion de l'Éden. Et tellement qu'on a Éden. Balobi, le nom du second fleuve, c'est Guyon. On dit le nom du second fleuve, c'est Guyon. Et fleuve Wana, ils ont arrosé le pays des couches. Et ces fleuves arrosaient le pays des couches. Quand on parle des couches, couche aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Là, on va se mettre la couche, couche, les deux années, l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie actuelle, carte Oba Pessi et Wana, et sa carte Oba Mindele, va tracer Yango. Mais nous disons que l'Éthiopie actuelle, la carte qu'elle a, c'est la carte contre tracer les blancs. La conférence de Berlin, 1885. Okay. 1885. Okay. Les Blancs sont venus en Afrique. Ah. Hein, ils les ont siégés en Allemagne, à Berlin, où était Bakaboul, Afrique. Okay. Vous voyez? Très bien. Mais la carte de l'Éthiopie en rapport avec les écritures, ce n'est pas la carte ici de l'Éthiopie actuelle. Ok. Toujours, on va voir que la carte où il y a l'Éthiopie, où et comment il y a ma commis, et la carte où il y a l'Éthiopie. Et Éthiopie veut dire noir ou brûlé par le soleil. Éthiopie, c'est ça aussi, couche. Ah, Éthiopie, il y a un colba. Moïno to Azipi na moi yawana peka kabazo na couche. Ah, pour dire tout simplement, on a colba kakete. Ce qui te lingi to tracer la carte de l'Éden. Si nous voulons tracer la carte de l'Éden. Bon, tous voient selon la folie des hommes l'Éthiopie. Nous prenons selon la folie des hommes l'Éthiopie. Vous prenez l'Éthiopie, vous prenez l'Arabie Saoudite. Tu vis Éthiopie, tu vis Arabie Saoudite. Pour dire que l'Afrique, les Africains ne soyez pas complexés. On a relevé que Africa, bateau Africa, bon titisaté. Parce qu'il y a une partie aussi de l'Afrique qui faisait partie de l'Éden. On a relevé que Zaken a été mort en Afrique, Zaken a été Éden. Mais ce n'est pas encore les jardins. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand on est ça pas bon. Oui, des jardins, Baloni, il y en a une petite portion. De l'Éden. Parce que les jardins ont la planta dans une petite portion de l'Éden. Ok, continuons la lecture. Le nom du troisième était Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ok, quand on parle d'Idekel, l'Idekel c'est le tigre. Le fleuve tigre. Si tu vas dans Daniel chapitre 10, le verset 4, on parle aussi de ce fleuve. Daniel 10, 4, le fleuve tigre Idekel. Ce qui otali ce fleuve-là, c'est un fleuve qui arrose la Turquie. Si tu prends, tu vois ce fleuve, c'est un fleuve qui arrose la Turquie. Ça prend aussi. Ça prend aussi l'Irak. Ça passe aussi par la Syrie. Vous voyez? Ça, c'est le tigre. Pour dire tout simplement, si nous sommes en face de la carte de la terre, nous allons directement comprendre avec facilité, sans beaucoup d'efforts, qu'il y a une partie aussi de la Turquie. Il y a aussi la Syrie, et aussi l'Irak,
qui faisait partie de l'Éden. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, nous sommes en train de tracer la carte de l'Éden. Amen. Voilà, nous avons tracé les cartes de l'Éden. Il fallait que j'aille la carte de la terre ici. Ah, et c'est là que nous la carte de la terre. Vous savez, dans le livre de la vérité, il y a la médecine. Et dans la médecine, la carte. Dieu lui-même, c'est le grand médecin. Il y a l'anthropologie. Il y a la géographie. Vous voyez, il y a la chimie. Vous voyez, il y a beaucoup de sciences. Le livre de la vérité que vous appelez la Bible, c'est la grande science. Et pas la science des hommes, mais la science de Dieu. Il y a la botanique, il y a la zoologie, etc. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi nous disons souvent, un vrai ministre de Dieu qui maîtrise les Écritures, qui maîtrise ce livre, il est plus qu'un savant du monde. Voilà, le ministre de la parole a maîtrisé bien les Écritures. C'est un grand savant. Un ministre qui a bien maîtrisé les Écritures. Voilà pourquoi nous devons respecter les vrais ministres. Et soutenez-le. Soutenir Bango pour qu'ils prennent assez de temps pour lire. Ils prennent beaucoup de temps pour lire. Que Dieu puisse les introduire dans la profondeur. Ok, remarquons. Parce que c'est dans la profondeur où il y a les grands poissons. Le ministre nous amène dans la profondeur. Parce que les gros poissons, ils sont dans la profondeur. Ok. Amen. Maintenant, regardons. Là, il n'y a pas de questions là. Il y a des questions. Les écritures ont seulement des sexes. Là, c'est bon. On va revenir à la fin. Oui, oui. Okay. Nous allons répondre à cette question-là. À la fin, qu'on nous donne d'abord le temps de bien tracer la carte. Il y a aussi une autre question là. Nous sommes là pour vous poser toutes vos questions et partager la vidéo. La lumière aussi, c'est OK? Non, OK. Que Dieu soit loué. Parce que, regardons. Bon, on ne veut pas faire beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas d'électricité. Ah, pour les salités. Okay. Et à la prochaine, on va prendre des dispositions. Pour ça. Si ça commence un peu à devenir sombre, là, on coupe. À la prochaine, on peut continuer. Ok, prenons le dernier fleuve. Oui, fleuve Yasuka. Le dernier fleuve. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mm-hmm. Et puis. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Quand on parle de l'Euphrate, l'Euphrate aussi, c'est un fleuve qui sort de la Turquie. Bon, qui arrose aussi une petite partie de la Turquie. Oui, c'est pas la peine, moi, dans la Turquie. Et il y a peine à Syrie. Ça vient dans la Syrie. Et il y a peine à l'Irak, dans la Mésopotamie. Ça vient dans l'Irak et là. J'aime bien la Mésopotamie. Il y a peine à Mésopotamie. Dans la Mingi Mésopotamie. Et il y a la Babylonie. Il vient dans la Babylonie. Iran à Irak. Ok, voilà un peu. Okay. Pour dire si nous voulons tracer la carte de l'Éden. On a relevé que ce qui est au limite au Sala, beaucoup m'a mis la carte de l'Éden. On peut placer la carte de l'Éden comme ça. Au Bandi, Éthiopie, Afrique. L'Éthiopie, l'Afrique. Oye, Ozui, Arabie Saoudite, Émirats Arabes. Émirats Arabes. Oye, Ozui, Iran, Irak. Je prends l'Iran et l'Irak. Ozui, une partie de la Turquie. Je prends une partie aussi de la Turquie. Amérique, exactement. L'Amérique, il n'y en a pas, frère. Et pourquoi vous les Africains être complexés devant les Américains? Vous avez une grande histoire aussi par rapport aux Écritures. Hein? L'Afrique, il y a une portion aussi de l'Éden. Vous devez être fiers de ça. Ne soyez pas complexés. Ok, on peut continuer. Mais à la fin, nous tous, nous sommes des frères. Parce que nous tous sommes sortis. Voilà un peu la carte de l'Éden.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Il va prendre les jardins. Il ne les plantera pas sur tout le territoire d'Éden. Mais il vient planter les jardins dans la partie orientale de l'Éden. Prends Genèse chapitre, rappelle Genèse chapitre 2, le verset 8. Nous rappelons Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. C'est-à-dire, total ici, Éden, ce territoire qu'on appelle l'Éden. Nous avions montré comment les territoires d'Éden étaient tracés. Mais Nzambe a kolona jardin te nabakobité nignon soya Éden. Mais Dieu ne vint pas planter les jardins dans tous ces territoires. Aye kolona yango kaka na Orient, la partie orientale. Partie orientale de l'Éden. Il ne vint planter que dans la partie orientale de l'Éden. Oh, la partie orientale de l'Éden, quand on parle de la partie orientale, Zoka Eten Orient Yaiden. Ok, tu mets la lumière, tu renforces la lumière. La partie orientale, c'est-à-dire tu fais comme ça, tu renforces la lumière parce qu'il fait déjà sombre. Ok. Quand on parle de la partie orientale de l'Éden, la partie orientale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Voilà pourquoi si vous prenez Matthieu chapitre 2, il y avait des mages. Le mage sorti du pays de l'Orient. Ils sont venus en Israël. Israël est appelé Proche-Orient. Mais quand on dit Orient tout court, c'est la Babylonie. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'Iran et l'Irak. Et les mages sont venus de la Babylonie. Ou en d'autres termes, de la Mésopotamie. Omoni, portion wana ya Iran, Irak, Nekuna de Nzambe, Alonaki Nini, Alonaki, le jardin. C'est dans cette portion d'Iran et d'Irak que Dieu planta. Parce que l'Éden, c'est vaste. L'Éden, l'Éthiopie est là. L'Arabie Saoudite est là. La Turquie, une portion de la Turquie est là. Émirats arabes est là. La Syrie est là. On a aussi la Babylonie, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak est là. Mais pour planter les jardins, Zamba l'on a dit jardin tena Éthiopie. Dieu ne planta pas les jardins dans l'Éthiopie. Pas dans la partie occidentale. La partie orientale. Il ne planta dans la partie orientale. Et la partie orientale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Des jardins et Zalaki Wana. Les jardins étaient placés là. Maintenant, jardin wana pendenge Zalaki Ndengwana Nzambe a permettaki parce que la carte de la terre qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la carte de la terre la même avec du temps d'Adam. Et nous disons que les jardins tels qu'ils étaient là, Dieu l'avait permis parce que la carte qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la carte du temps d'Adam. Et ces jardins aussi étaient arrosés par ces fleuves. Mais Nzambe, il faut azwa moto oyo azalaka libanda amemiye akotisiye na jardin. Mais Dieu doit prendre la personne Adam qui était dehors et l'introduire dans les jardins. Mais le jardin était arrosé par les bras du fleuve. Est-ce que vous comprenez bien? Les jardins étaient arrosés par quoi? Par les bras du fleuve. Comprenez que Dieu parle de plusieurs manières. Omoni, eloko zoboma batulelo yo, mutatangi na nouvelle alliance. C'est qui tue les gens aujourd'hui quand ils lisent dans la Nouvelle Alliance? Attangi ba épître. Ils lisent les épîtres. Azoluka mot dim. Ils cherchent le mot dim. Oui, ezapé. Oui, il y en a. Mais ezapé mingite. Mutazo lukango azolinga amona D-I-M-E. Il y en a, mais il n'y en a pas trop. Et la personne qui cherche
veut seulement voir les dîmes. Alors, Amoni, maudit, me dit à l'obiété, bon, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîmes. Mais quand il ne voit pas le maudit, il dit non, dans la nouvelle alliance, il n'y avait pas de dîmes. Alors, la personne ne comprend pas que Dieu parle de plusieurs manières. Il peut prendre une seule chose. Dans l'obéir, il y a de plusieurs manières. Mais il n'en parle pas. Dans la nouvelle alliance, il y a la dîme. Mais d'une autre manière, Dieu a parlé. Maintenant, regardons. Les quatre bras à fleuve, au Tomoni, Nzambalobeli, Yango aussi, d'une autre manière. Dieu en a parlé aussi d'une autre manière. Pour comprendre ça, il faut aller dans Nombre chapitre 2. On ne va pas lire parce que chez nous, il fait déjà un peu sombre, comme j'ai vraiment, dit. Il n'y a pas d'électricité, on se débrouille pour la lumière. Vous comprenez, nous sommes encore en Afrique, mais Dieu fera grâce. Ok, mais remarquons, à la prochaine, nous allons aussi prendre des dispositions, amener notre groupe électrogène, on peut même le faire, mettre le groupe électrogène ici au bureau. Ok, malheureusement, tu as un groupe électrogène pour tous à l'aise. Ok, maintenant, remarquons. Cette écriture de Genèse chapitre 2 se répète d'une autre manière dans Nombre chapitre 2. Là, nous voulons préciser la position d'Adam dans le jardin. Nous remarquons dans Nombre chapitre 2, on parle des quatre bras de fleuve, mais d'une autre manière. Là, nous sommes dans le campement d'Israël. Il y a Jida, qui était le premier campement. Vous voyez, c'est Jida qui vient comme le premier bras du fleuve. Le premier bras du fleuve, c'est Pichon. Okay. Pichon, c'est Jida. Pichon, c'est Jida. Et après, c'est Ribin. Ribin, c'est le deuxième bras du fleuve. C'est Guillaume. C'est Guillaume, n'est-ce pas? Ok. Et après, il y a la présence du souverain sacrificateur au milieu et de l'arche. Parce que le souverain sacrificateur était au milieu là. C'est lui Adam. Il doit être au milieu. Et l'arche aussi était au milieu. Et après, il y a le campement de qui? D'Ephraïm. Ephraïm, c'est Hidekel. Ephraïm, c'est Hidekel. Et après Ephraïm, il y a le campement de Dan. Et Dan, c'est l'Euphrate. Mais le souverain sacrificateur, il était au milieu. L'homme, c'est Adam, c'est la position d'Adam. Par là, nous comprenons, par Dieu qui parle de plusieurs manières, par Nombre chapitre 2, Adam comme le chef, parce que Adam était un prince. Dieu l'avait placé au milieu du jardin. C'est pourquoi il avait la facilité même de voir l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et il était au milieu du jardin. Mais comment il était arrivé au milieu du jardin? Et quand Dieu l'avait créé, il l'avait créé par la terre du dehors. Alors, nous avons maintenant la Libanda. Dieu l'a créé par la terre du dehors du jardin. Et après la Simanzamba Keli jardin. Et après Dieu créera les jardins. Jardin est arrosé na ba brapé à fleuve. Les jardins est arrosé par les bras du fleuve. Pour dire que nous avons maintenant aux autres Adam na kati na jardin, il faut que Adam puisse traverser les fleuves. Juste pour dire que quand Dieu fait introduire Adam dans les jardins, Adam doit traverser. Là, c'est merveilleux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, c'est un grand répétiteur. Et il se répète de plusieurs manières. La marche d'Israël, c'est la marche d'Adam. Parce que Israël était un autre Adam. Nathan ou Abimi l'Égypte. Quand il sort d'Égypte. Oui, Nathan a changé de position. Il y a jardin, Nathan, il y a Israël. Parce que Dieu avait changé la position du jardin. Nathan, il y a Israël. Au lieu de jardin, et que Zalana, Orient, Nathan, il y a Adam. Du temps d'Israël, au lieu que les jardins. Mais Nathan, il y a Israël. Nzamba a jardin, Nathan, en Occident, en rapport avec le jardin d'Adam. Mais en rapport avec le jardin d'Adam, nous disons que du temps d'Israël, Dieu prit ses jardins comme Canaan. Maintenant, quand Israël était sorti de l'Égypte, si Israël a dit l'Égypte,
La naissance d'Israël à Botami. C'est comme on parle de la naissance d'Israël. Maintenant, Nzambi faut qu'Otisaïe dans le jardin. Maintenant, Dieu doit lui introduire dans les jardins. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant, pour être qu'Otisaïe dans le jardin. Maintenant, pour l'introduire dans les jardins. Nzambi est mon cousin, mais Maïe, Nzambi est là qui sous la forme de la colonne. Hein? Dieu lui-même était sous la forme de la colonne. Exode chapitre 14, le verset 19. Exode 14, 19. Cette colonne-là. Colonne voilà. C'est Dieu-là qui a fait entrer Adam dans le jardin. Maintenant, Azokotisa Israël aussi un autre Adam dans le jardin. Il a introduit Israël comme un autre Adam dans le jardin. Maintenant, Nzambe Natan Azokotisa Israël dans le jardin, Banzele Zaladia Bele, mais il faut me maïe dans le jardin. Mais quand Dieu a introduit Israël dans le jardin, il y avait plusieurs chemins, mais il amène dans le jardin. Il faut quand il sa premier maïe, il doit traverser la première. Aïe, quand il sa deuxième maïe, le second fleuve. Après, Aïe, quand il sa Israël, la Kati, la jardin. Qui était Canaan. Après, il introduira Israël dans les jardins. Cette marche-là, c'est la marche d'Adam. Et Adam a vu Adam, l'ibanda, il y a jardin. Dieu prend Adam dans dehors. Mais pour être à côté, ça y est, dans les jardins, il l'a fait traverser l'eau. Mais pour l'introduire dans les jardins, il doit le faire traverser l'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Par cette écriture, je peux m'élever. Et directement, j'acclame les saints. Et ceux qui ont des yeux, ils sont en train de voir. Bah, oh, déjà, bah, dans la mission. Ceux qui ont des yeux. Avant que tu n'as pas la commentaire. Avant même que je fasse tes commentaires. Bah, moni déjà. Ils ont déjà vu. Je vous donne les yeux. La vous qui n'avez pas les yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, regardons. Nous rentrons encore en arrière. Adam denga zala kindengoana. Adam tel qu'il était là. Nzambe era kotisaki na jardin. Dieu quand il a introduit dans le jardin. Nzamba kotisaki ye pas na n'importe quelle porte. Dieu ne l'avait pas introduit par n'importe quelle parce porte. Parce que Adam était un prince. Parce que Adam wazaki mwana boko. C'est lui qui devait dominer sur les animaux. Sur les oiseaux. Sur les poissons. Et sur toute la création. Il était un prince. Omoni prince à contre n'importe quelle porte était. Un prince n'entre pas par n'importe quelle porte. Abimagapé n'importe quelle porte était. Il ne sort aussi pas par n'importe quelle porte. Prends le livre d'Ézéchiel chapitre 46, le verset 12, au Lévite. Nous on va terminer. Rapidement. Et on ajoute aussi les baptêmes d'Abraham. Ah. Est-ce que là c'est clair? L'image c'est clair? Oui, jusqu'à là. Ok, merci. Okay, que Dieu soit loué. Ézéchiel 46. En tout cas, supportez-nous pour l'image aujourd'hui. La prochaine, on va faire l'effort. Ok, prends Ézéchiel chapitre 46, le verset 12. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Ah, continue la lecture. Et il offrira l'holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Okay. Puis, il sortira. Et on fermera la porte après qu'il sera sorti. Amen. On fermera la porte. Amen. C'est ça la porte du jardin qu'on avait fermée. On fermera la porte. Oh, les écritures sont merveilleuses. Adam, Adam Bakotisa qui est. Dieu l'avait introduit par la porte orientale. De par la porte orientale. Vous voyez, c'était la porte orientale. Maintenant, regardons la carte que nous avons. Regardons la carte que nous avons. Amen. Maintenant nous sommes à l'Orient. Ah, tu restes pour l'Orient. J'ai la carte ici, la petite carte. Nadal, moi, carte moi, comme à l'Orient, les jardins sont en Iran, Irak. Nous disons que à l'Orient, les jardins étaient en Iran, Irak. L'Orient maintenant. L'Orient de Iran, Irak, c'est l'Afghanistan. Orient et Iran, Irak, c'est l'Afghanistan. Afghanistan. Ah. C'est-à-dire Nzambazui, Mabele Kunaya, il y a Orient Kunaya, il y a jardin, il y a Iran, Irak. Côté Afghanistan, à Sali, Adam. Ah, donc nous disons, c'est-à-dire, c'est avec cette terre qui était dans l'Orient du jardin, c'est-à-dire du côté de l'Afghanistan, c'est avec cette terre que Dieu forma. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'Afghanistan. Hein? Maintenant, on est dans l'Afghanistan. Il faut bien comprendre. Mais ma belle, il y a un gambou en Zamb, à Sali, Adam. De cette terre du côté Dieu forma. À côté ici, par la porte orientale. Il est introduit par la porte orientale. A dit qu'au côté ici, il est à côté d'Égypte. Il ne pouvait pas l'introduire par c'était un prince. Azali, mon c'est par la porte orientale. Et dans les coups du maintenant. Maintenant, la tangwa bengani Adam. Maintenant, quand il chasse Adam. Adam peut comme un prince, il faut bimer à la côté à la porte orientale. C'est-à-dire la porte orientale, Adam côté qui peut attendre côté Afghanistan. Il ne va pas ne couper quoi les mains, mais il devait sortir
C'est merveilleux ça. C'est quoi le Adam Abimi et Abimi Abimi la porte orientale et la Simago Sumuga et Babengani Abimi la porte orientale. Après la transgression, on chasse Adam, il doit sortir par la porte. C'était tout un prince. Maintenant, Adam Abimi, Adam qui est là qui nous cicatrise, Adam qui est béni à jardin. Amen. Maintenant, quand Adam sortit, il n'était pas loin du jardin. Alors, après, comment on appelle Bacherebe Moussika qu'on en a épée. Amen. Vous pouvez voir aussi les chérubins de loin. Parce que Nzambe a tchaki Bacherebe la porte orientale. Pour empêcher l'entrée. Parce que Dieu avait mis les chérubins à la porte orientale pour empêcher l'entrée. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il connaissait les pensées d'Adam. Ma qualité d'Adam, ils allaient qui étaient dans son jardin. Les pensées d'Adam étaient que je dois entrer en guerre. C'est ça aussi la nature. Il y a moins dans Nzambe na solo. C'est cela aussi la nature d'un vrai. Un vrai fils de Dieu. Nathan Gomoni qui a Sumuki. Amen. Ah, la commis libanda. Il faut aller toujours makanisi à Kozonga. Un vrai fils de Dieu, quand il voit qu'il a péché, il est loin, il doit toujours avoir la pensée de rentrer. Mais Adam ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait que le Seigneur puisse former un projet ou un plan de rédemption pour nous. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais Adam, Azalaki Pembe ni Pembe ni Wana. Adam Azalaki, il n'était pas loin. Azalaki Pembe ni Pembe ni Wana. Il était à côté là. Pembe ni Pembe ni Wana. Bimaki na porte orientale. Il était sorti par la porte orientale. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, maintenant, le baptême d'Adam veut dire quoi? Prenez 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 2 à 3. Lisons ça rapidement par cette écriture, on peut terminer. Est-ce que la lumière ça va? Oui, ça va. Là, on nous voit là? Oui, oui. Ok. Très vite, c'est vite. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 2, nous lisons mon 10. Ok, ok. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ok. Je continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment. Tu peux te limiter par là, l'homme de Dieu assez. Amen. Selon cette écriture, traverser les eaux, c'est être baptisé. Kokatisa, Bamaï et Zane Kokatisa. Nzambe asali Adam na mabele ya libanda côté ya Afghanistan. Il créa Adam de la terre du côté, c'est-à-dire aujourd'hui du côté là. Aujourd'hui, mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'Afghanistan. Si Nathan ou en Afghanistan. Il faut qu'on t'y saille la porte orientale. Il doit l'introduire par la porte. Parce qu'il était un prince. Oui, Kazala qui m'en a beaucoup. Maintenant, Nzambe est raso côté ça y est. Mais quand Dieu l'introduit, comme la Niwe qui conduisait Israël, mais il y avait les fleuves là-bas, les bras du fleuve. Adam, il fallait qu'il ait été humilié à jardin comme le souverain sacrificateur qui était humilié. Adam devait aller jusqu'au milieu du jardin comme le souverain. Parce que c'était un prince. Maintenant, pour être comme Awana, il faut traverser premier bras, deuxième Maintenant, bras. Pour arriver là-bas, il doit traverser le premier et le deuxième. C'est ça la marche d'Israël qui devait traverser deux eaux. Oui, Seigneur, il faut traverser Mama Yebele, Bibali, Mibali. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, qu'on traverse, Oyazo traverser, Wana Paul a Bengi Yango, c'est le baptême. Maintenant, la traversée qui se passe, la Paul l'appelle ou l'interprète. C'est-à-dire, la traversée des eaux, Paul appelle ça, c'est le baptême. Là nous disons que Adam a été baptisé parce qu'il avait traversé les eaux. Nzamba zuye libanda. Dieu l'a pris dans deux. Azoko tisaye. A faire traverser Maya Liboso. Aye Maya Mibale. A condition la cadre. Et puis Adam a été baptisé. Adam a baptisé. Israël aussi a été baptisé. A traversé qui Maya Mibale. Il faut faire très attention. L'esprit aussi est dans la rapée fleuve. Moli Mopé est dans la cadre. Le baptême d'esprit aussi est appelé fleuve. Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Amen. Vous voyez? Pour dire tout simplement, Adam a été baptisé. Adam a baptisé. Il a traversé qui m'a eu. Adam a été baptisé. Il a traversé les eaux, il était baptisé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense qu'il n'y a plus de questions. L'équation est levée. Le premier homme qui a été baptisé, c'était Adam. Qui l'avait baptisé? C'était Dieu lui-même. Si tu refuses le baptême si tu vas entrer. Refuse le baptême si tu vas entrer. Si tu refuses le baptême, il n'y a plus le ciel pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ici, je parle du vrai baptême. Hein. Remarquons, je prends aussi Abraham. Abraham aussi a été baptisé. C'est là où nous allons
terminé. Nous prenons le livre de... On se débrouille avec la lumière. Genèse chapitre 15, le verset 18. Tu lis ça. Genèse 15, le verset 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, okay. Je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Que le Seigneur Jésus soit loué. Que ces écritures soient bénies. Ma commune est pas moula. Ma commune en Zambé est pas moula. Que ces écritures soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Pambula, Omoni Abraham a outi Mésopotamie. Tu vois Abraham vient de la Mésopotamie. Il faut y Cana. Il doit entrer en Cana. Zambazo la guise la carte de la terre y a Cana. Dieu lui montre la carte de la terre de Cana. Attention Omoni hein, ce côté côté y a côté y a Babylonie. Tu vois si tu vas. Ce côté longo Cana, ce côté côté Babylonie. Tu vas du côté Babylonie. Ou bien outi Babylonie Mésopotamie, ozo y a na Cana. Où tu quittes Babylonie Mésopotamie. Il y a un fleuve. Et dans les balais Mobima. Oh ils ont séparé Mésopotamie na Cana. C'est ce fleuve là qui sépare. Et ce fleuve là c'est l'Euphrate. Selon cette écriture, pour dire que Mésopotamie est au côté de Cana, ce qu'on traverse Euphrate. Cela veut dire que tu ne peux pas quitter Mésopotamie en train. Par là, nous comprenons quand Abraham est venu de la Mésopotamie, il avait traversé l'Euphrate. Et il a traversé l'Euphrate. C'est ça les baptêmes. Au côté de Cana, tu sois qu'on a baptisé. Tu n'es pas baptisé. Il faut faire très attention. Cana, c'est le sommet de la montagne. Exode chapitre 33, les versets 1 à 2. Matang Israël a outi en Égypte, a outa qui nasse, a zo matangomba. Quand Israël sortait de l'Égypte, il était en bas. Il et le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains chapitre 10, le verset 6. Je ferme ma Bible. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas baptisé. Tu ne peux pas entrer dans le jardin si tu n'es pas baptisé. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux prier pour vous. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes gloire en ton nom.